Ah, ça c'est pour nous, voulons vivre ça. T'as eu le boulard là, un peu? Rien, droite, gauche, trac, trac, trac. Et les petites fleurs là. Bonjour. Bonjour. Très beau short à fleurs, magnifique. Très beau short à fleurs. Merci. Très beau. Pourquoi vous êtes là? On est là, ben, on était en séjour à Paris et quand on a vu qu'il y avait la Gay Pride, on s'est dit que c'était important d'être là et de soutenir. C'est pas homo? Non. Ah, j'ai une chance. Waf 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 waf. Ah non, pas waf du coup. Toi tu es le maître. Exactement. Alors, ils sont obéissants. Le mien est obéissant. Ça se voit, non? Un petit aboiement. Trop timide. D'autres aboiements peut-être de ce côté-là. À voir. Guys. À voir. Pourquoi on doit encore avoir une fierté maintenant? C'est normalisé maintenant. Alors justement, on peut être fier, tu peux être fier d'être hétéro, fier d'être n'importe quoi. Je suis fier d'être psychologue par exemple. C'est une fierté quand même. Pour toi, être psychologue, c'est normal. Fier d'être blanc? Fier d'être blanc, fier d'être noir, fier d'être humain. PMA, c'est pour les femmes. Ouais. Et c'est quand qu'on attaque la GPA? Il y a la GPA après. La GPA arrivera forcément à un moment. Vous êtes pour? Oui. Un commentaire sur ta pancarte. Par la séparation de l'église et de ma chatte, le PMA pour tous. Et pourquoi pas la synagogue et la mosquée? Hein? Pourquoi pas la synagogue et la mosquée? Bah, ça, la pancarte, c'est trop petite pour ça. Et quand Trump il dit faut prendre les femmes par la chatte? Bah, c'est un gros problème, mais encore, j'avais pas la place pour des pancartes. Ouais, alors, amour sans procréer, effectivement, on peut aussi s'aimer par le cul. Oui. L'amour sans procréer, c'est-à-dire faut plus faire d'enfants, on est trop sur la planète? Bah si on est trop, oui, je pense bien. Tu penses qu'on est trop? Ouais, oui. Mais on est trop où? Parce qu'en Europe, il y a la place, on est que 500 millions. Bah on est trop partout, ça va, bah, on peut faire d'enfants ou pas. Regarde, par exemple, le Nigeria, il y a 30 ans, ils étaient 60 millions, là ils sont 180 millions, ils baissent trop. Faut qu'ils arrêtent, faut qu'on les stérilise. Non, il faut continuer à baiser. Non, faut stériliser le Nigeria. Non. Oui, il faut stériliser, ouais. Parce que c'est des blagues, vous voulez pas, mais en Europe, vous auriez bien voulu. Ah ouais. Ok. Et comment on peut être libre et égaux à la fois? Bah c'est simple, faut arrêter d'être égoïste. Ouais, mais philosophiquement, la liberté, elle s'oppose à l'égalité. Alors toi, tu es plutôt liberté ou plutôt égalité? Moi je suis plus liberté et égalité les deux parce que l'un se complète avec l'autre. Si on est libre, c'est qu'on est libre d'être nous-mêmes. Et si on est tous égaux, on est tous libres. Et comment est-ce qu'on peut être libre en étant égaux? Par exemple, si quelqu'un court plus vite qu'un autre ou si quelqu'un gagne plus d'argent. Faut s'entraîner, c'est des muscles. Faut savoir être libre et être égaux. Faut se battre pour notre égalité, c'est ce qu'on fait. Et on se bat pour notre liberté, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent mais on peut être fier de tout? Mais sa sexualité, ça reste du privé, en fin de compte. Vous voyez, on se définit pas par sa sexualité. Sexualité, elle est personnelle, et voilà. Oui, exactement. Mais c'est ce que certains vont nous dire, c'est justement, du coup, pourquoi est-ce que vous en faites quelque chose d'extérieur, alors que c'est privé? Moi, j'en fais quelque chose d'extérieur parce que je suis un artiste à la base. Je travaille dans le milieu du transformisme et que j'adore me transformer, donc... C'est très théâtral pour moi, mais voilà, après, chacun vit librement sa vie comme il en a envie. Hein. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ici monsieur? Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai rien fait, je ne suis pas antisémite. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Ah bah moi je bois, je coule et je prends du bon temps, voilà. Et bah, comme tout le monde, je revendique un petit peu... le droit à être qui on a envie d'être. Voilà. Vous pensez pas que c'est dommage parfois juste de se définir par sa sexualité que par autre chose? Oui, mais en même temps c'est ce qu'on est, donc c'est une façon de nous définir comme une autre, donc pourquoi pas. Mais avant d'être pédé, effectivement, avant d'être gay, voilà, on va faire. Avant d'être gay, voilà, je suis un mec et voilà, c'est tout au final. Merci. De rien. Moi, la dernière fois, je suis parti au commissariat,
je leur ai dit que j'étais une femme de 14 ans chinoise. Ils m'ont dit mais vous avez pas la nationalité, etc. J'ai sorti la nationalité, mais j'ai été super maltraité. En quoi je peux pas être une femme de 14 ans chinoise? Ah bah si tu veux. C'est ce que je veux être. Si tu veux. Ils me l'ont refusé, les policiers, ils m'ont. J'ai été maltraité. Il y a encore l'homophobie en France, on est d'accord. Il y a énormément de monde. On vit avec. Il y a tellement de préjugés. On vit avec. Ils ont dû voir chez Black, ils ont dit elle est pas chinoise. Oui, on vit avec. C'est quoi sur ton torse? C'est un signe communiste de l'URSS. Mais pourquoi le communisme? C'est pour l'égalité? Non, c'était. Je trouvais ça drôle, ça changeait un peu. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi comme ton association? L'APGL, c'est l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, qui a plus de 30 ans. Et donc, du coup, on milite pour les droits des familles, les droits des familles homoparentales, entre autres. C'est-à-dire, c'est pour des familles qui ont acheté des enfants, c'est comment ça fonctionne? Non, du tout, on n'a pas acheté des enfants. Pourquoi vous me dites ça? Ben, du coup, en fait, je comprends pas comment on pouvait avoir des enfants, en fait, s'il n'y a pas un sexe homme et masculin et un sexe féminin. Comment vous articulez les choses? C'est bien compliqué, là, monsieur. Et du coup, en fait, c'est les familles homosexuelles, mais l'enfant, il est arrivé comment dans la famille en général? Ah ben, il y a par plusieurs procédés, par des PMA, par des GPA, souvent par des PMA en Belgique. Liberté, détachez-nous! Détachez-nous! Détachez-nous les trans, on veut des droits! On veut tous les droits! Des droits! On veut la moitié des droits, on veut tous les droits, comme vous les hétéros! Des droits! Comme vous les politiques, on veut des droits! Des droits et pas des devoirs. Exactement, et pas des devoirs. Détachez-nous, on veut plus la corde. C'est pour ça que je porte la corde. LGBT. On a bien compris. On a bien compris. David Jonathan, c'est qui? C'est l'homme triton? Pardon? C'est pas l'homme triton? Jonathan? Non, je sais plus, pardon. David et Jonathan, c'est qui? Bah, c'est une association LGBT chrétienne, voilà. Donc, le lobby homocidaïque. Allah, il aime les homosexuels, Allah? Mais sûr que oui. Ouais? C'est lui qui les a créés? Ouais. Ok. Bonne journée à vous. Machallah, mon frère. Merci. Choukran. Merci, moi aussi. Les attaques homophobes, c'est les musulmans, on est d'accord? Pas du tout. Moi, je pense pas. J'ai eu beaucoup d'amis musulmans, il n'y en a aucun qui m'a dit... Moi, à la limite, j'ai une tradition chrétienne. Moi, les homosexuels, je veux pas dire ils me dérangent pas, mais tant qu'on me touche pas les fesses, chacun fait ce qu'il veut avec les fesses. Les musulmans, c'est autre chose. Mes amis, en tout cas. C'est une caméra cachée ou t'es vraiment con? Ouais, je suis con. Ah, ok, d'accord. C'est une caméra cachée, c'est quoi? Alors, un commentaire. Magnifique, les boomers sont très ouverts. Ils accueillent tout le monde. C'est très très ouvert. Nos parents sont merveilleux. Venez. Cet Africain m'agresse. Aidez-moi, appelez la police, un Africain m'agresse. Un commentaire. Comment? Un commentaire. Là, je suis très content, je ne peux pas parler, franchement, je ne peux pas parler parce que je suis très content. Je me nomme Adama Soumaré ou Bébé Soumaré. Je suis fier d'être en français. Merci beaucoup. Allez, bisous. Hey, tu parles pas français? Oui, c'est bon, je parle pas français. Je parle français, mais pas beaucoup. Je parle plus en pleurs. Ah, tu... En pleurs. Bada, Asseli. Mirisel, Alhamdulillah. Jamtan. Maoudou. Alhamdulillah. Jamtan. Jatoma. On va aller voir les Pakistanais gays. Je n'ai jamais vu ça. Un commentaire, bonjour. Un mot.
I'm proud, I'm very happy, I'm gay, I'm very happy. Merci. Parfait, voilà. Ça c'est pour nous, voulons vivre ça. T'as eu le boulard là un peu? Rien, droite, gauche, trac, trac, trac. Et les petites fleurs là, Attends, on va aller les voir, on va aller les voir. Nous respectons les femmes. Ouais, ouais. Viens, je dis très beau short à fleurs. Ah ouais, ouais, vas-y. Très beau short à fleurs. Merci. Très beau. Pourquoi vous êtes là? On est là, on était en séjour à Paris et quand on a vu qu'il y avait la Gay Pride, on s'est dit que c'était important d'être là et de soutenir. C'est pas homo? Non. Ah, j'ai une chance. Non, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous souhaitez apporter votre soutien? Parce que c'est important, quelle que soit l'orientation sexuelle, de soutenir la cause, parce que ça devrait même plus être une question dans notre société aujourd'hui et que ça devrait même plus être une question de savoir quelle orientation sexuelle on a. Mais justement, à ce propos, il y a une augmentation des actes anti-homo, je sais pas quoi, homophobes. Et du coup, est-ce que vous pensez pas que c'était mieux avant? Puisque avant, il y avait moins d'agressions. Non, je pense pas, c'est juste que vu que c'est plus ouvert, c'est plus les gens s'affichent plus et tout. Du coup, oui, en réaction, il y a des rageux, voilà. Mais je pense que c'est mieux que les gens soient libérés quand même. Dans l'ensemble, en 2019, on est quand même plus tolérant. Bah ouais, je pense. Moi, je vois beaucoup plus de couples marcher dans la rue à Paris qu'il y a 20 ans. Parce que les homos, ils disent l'inverse. Ils disent justement, il y a plus d'agressions, donc on est moins tolérant maintenant. Et après, est-ce qu'il y a vraiment une agression? Après, c'est peut-être pas les mêmes populations selon les agressions. Franchement, je ne saurais pas répondre à la question, mais en termes d'augmentation, vous avez quel chiffre et d'où vous et d'où J'en sais rien, moi, c'est quand je pose la question en fait dans le cortège. Hein. Je viens de l'apprendre, en fait. Ok. La même population, c'est-à-dire que tu es en train de dire que c'est les musulmans qui attaquent les homosexuels? Non, je pose la question. Ah, mais moi, je ne dis rien, je pose la question aussi. D'accord, c'est même plus bi, là, c'est... Bah même les gens... Je connaissais pas le terme pansexuel. Bah pansexuel c'est... C'est vraiment en fait, tu t'en bats les couilles du genre en fait, tant que la personne est cool tu vois, genre tu t'en branles en fait. Tout le spectre du genre on s'en fout. Parce que moi j'ai pris la conversation au passage et j'entendais mon ex est relou et c'est vrai qu'en général les ex sont relous. Mais votre ex il était quel genre? C'était un mec hétéro, cis. D'accord. Normal tu vois, enfin normal. Un sale cis quoi. Il était un peu fragile, il était un peu fragile. Le mot normal, non, là, je l'accepte pas, moi. Moi, je suis fluide, donc je suis pas normal, c'est ça que vous dites? Non, pas le mot normal, s'il te plaît. Excuse-toi. Je suis vraiment désolé. Tu t'excuses? Ouais, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Ok. Parfait. D'accord, ok. Un commentaire! Génial! C'est génial de se faire reculer. Un mot? Oui, c'est génial ici! C'est quoi ça? La drapeau de la Martinique! Ouais. Je suis parti en Martinique, ils sont très homophobes. Hein. Comment ça, homophobes? Aux Antilles, oui, ils sont très, très homophobes. La mentalité, ça change. Donc là, je vois le drapeau, je le prends un peu mal, quoi. Mais non. C'est vrai? Non. Les Martiniquais, on est peut-être homophobes, mais on est gentils. C'est au moins ça, là. C'est ça. Mais attends, si c'est réactionnaire d'être homophobe, est-ce que c'est pour autant progressiste de se faire enculer? Je comprends rien. Hugo Boss, you know? Oui. Oh oui. C'est du Hugo Boss, le cuir? Pardon? Répète la question, s'il te plaît. Votre cuir, c'est du Hugo Boss? Non, c'est pas du Hugo Boss, c'est... Est-ce qu'ils avaient plus la classe dans les années 30, quand même? Le cuir moustache? Ça dépend. Les périodes se réinventent, le cuir se réinvente, donc on n'est pas sur un seul cliché. C'est ça un peu qu'on essaye de casser, c'est... Si on aime le cuir, we all fit in, so... Mais moi, personnellement, je préfère le cuir des années 30. Le cuir moustache des années 30, vous voyez? Ah oui, tout à fait. Initié par Tonton. Oui, tout à fait, mais voilà, le cuir des années 30, c'était une période. Maintenant, c'est notre période, on se l'approprie. Merci. Alors, décris-nous ce qu'on voit. De très belles images que tout le monde devrait voir. Oui, chaque Français devrait être au courant de ce qui se passe. On voit de plus en plus de gosses, quand même. Est-ce que c'est pas inquiétant? Oui, alors, ça, c'est un classique. La nouveauté, c'est les très belles associations africaines qui nous ont donné une leçon d'amour intercontinental. J'ai pas vu encore de gosses travestis, c'est-à-dire sexualisés, maquillés. Quand on maquille un enfant, on le travestit. On va voir les images, ce qui se passe aux États-Unis, là, en ce moment. Mais on voit qu'il y a une énorme poussée cette année
des réseaux pédophiles en fait au sein de la Gay Pride ou de la marche des fiertés aujourd'hui. Plusieurs associations se revendiquent pour la famille. Ça en dit long. Merci. Donc on, il se passe quoi? On applaudit quoi là? La minute de silence pour le sida. Pour ceux qui sont morts contre le sida. Donc on applaudit la minute de silence. Ouais, c'est exactement. Il me semble. Je sais pas. Merci. Alors, bolchevique! Excusez-moi? Bolchevique! Pas vraiment bolchevique, hein. Mais pourquoi pas, écoute, hein. Ah, pourquoi pas, après tout. Là, aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible aujourd'hui. Mais pour moi, c'est important. Le sexisme et l'homophobie sont en partie liés à l'existence d'un système économique qui a tendance à considérer que certains doivent dominer d'autres. Donc pour moi, c'est important d'afficher mes couleurs politiques parce que je suis fier d'être bisexuel, mais je suis fier aussi d'être communiste. Et tu penses pas que le libéralisme sociétal, justement, permet le libéralisme économique, comme l'explique Michéa? Non, pas du tout. Mais le libéralisme économique, ça... Ça crée de nouveaux marchés, dans ce sens-là. En quelque sorte. Mais après, si vous considérez que avoir une société virée qui se débarrasse de l'homophobie, c'est avoir des entreprises qui simplement mettent de l'arc-en-ciel une fois par mois, enfin une fois en un mois pendant l'année, moi je considère que c'est pas suffisant, mais bon. Le drapeau, c'est pour tous les Algériens qui peuvent pas... Qui peuvent pas parader avec nous, et c'est aussi pour les Algériens en Algérie qui n'ont pas de pride, tout simplement. Merci à toi. Merci. Bonjour les garçons. Est-ce que vous aimez la fellation? Oui. Moi, j'adore. Et regarde, des fois, je fais des extras. À bientôt les garçons. À bientôt. Merci. Bonjour. Vous êtes gilet jaune? Pas du tout. Alors qu'est-ce que vous faites là? Eh bien écoutez, je porte juste du Nike. J'ai juste choisi la... C'est pour faire l'amour avec les animaux? Je suis pas du tout zoophile, attention. Tu sais, il y a tout ici, hein. Mais vous êtes une grosse chienne, ça je le vois. Merci, merci, pareillement, pareillement. Eh, combien on défonce, faut la laisser dans son bail là. C'est une petite chienne qui cherche à bouffer. Là, c'est une bonne salope, là, vous avez une bonne salope. Dites-elle, depuis tout à l'heure, elle cherche un client là. Un commentaire sur cette journée? Bah, c'est une super journée, c'est un rendez-vous de chaque année à pas louper. Et c'est super, gay, lesbienne, trans, bi, on est tous là. Et on est là, à la base, faut pas oublier que c'est pour défendre nos droits. Et surtout, les premières Gay Pride ont défilé quand même avec des cercueils, faut pas l'oublier. Et donc, c'est hommage aussi à toutes ces victimes, tous ces gens-là qui sont décédés du sida. Et on est là pour eux et on fait la fête à fond. Pourquoi t'es là? Bah, pour la Gay Pride. Non, mais je sais, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Bah comme ça, tous ça les pourrait ans, être un jour comme un autre. Les PD, les mecs, les culs, les bites, qu'est-ce que... Ah, les homosexuels. Les homosexuels, les mecs, la fête, la folie, l'alcool, tout ça quoi. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Mais il y a encore de l'homophobie en France? Oui, bien sûr. Oui, il faut faire attention, il y en a partout. Ça court les rues. Donc, partout, il y en a partout? Bah, il y en a partout, en France, en Afrique, au Japon, partout, dans tout le monde entier. Faites attention les gars. Ouais, mais... En Afrique, même s'ils sont homophobes, c'est pas à nous de leur dire comment se comporter. Sinon, c'est du colonialisme. Bah, c'est pas à nous de dire aux mecs de cité comment se comporter non plus. Non, mais nous, en tant qu'Européens, on va pas leur dire « Les gars, faut arrêter de jeter les homosexuels du toit et tout. » C'est leur culture, quoi. Je veux dire, ils évolueront d'eux-mêmes peut-être un jour. Non, mais on peut pas parler que d'un seul pays, que d'une seule, même si c'est la Gay Pride ici. Bonjour. Salut. Vous êtes le père de qui? La sœur de Dark Vador. Vous voulez voir mes fesses? Non, on les voit. Eh ben, c'est bien, non? Ça va bien. Madame ou monsieur? C'est monsieur. Monsieur? Oui, monsieur. Monsieur comment? Monsieur comment? Monsieur JP. Monsieur JP. Voilà, c'est ça. Il y a contre mes fesses.
Non, y'a rien, c'est juste qu'on les voit. Non, c'est juste qu'on les voit. Bah, on est là pour ça. Je peux pas les montrer le reste de l'année, alors je les montre aujourd'hui. Mais y'a des gosses qui passent. Ouais, on s'en branle, on s'en branle. C'est la Gay Pride, en fait. Mais de toute façon, même les enfants, faut qu'ils assument leur sexualité. Quand il y a des gonzesses qui sont en string à la plage, on voit les fesses aussi. Hein. Parfois, elles sont même à poil. Voilà, on est d'accord. Mais il y en a beaucoup qui disent oui, mais il y a des enfants. Mais les enfants, faut qu'ils assument leur sexualité, c'est vrai. Bah, c'est pas ça, mais c'est qu'après, en fait, ce qui est grave, c'est pourquoi les enfants. Si les enfants, ils voient ça tous les jours, c'est pas grave. Ils vont évoluer avec ça dans la tête. L'extasie dans ta bouteille. En fait, l'extasie, ça se prend pas dans une bouteille. Non. Attends, parce que là, tu viens de dire une chose intéressante. Ouais. Si les enfants seraient butés tous les jours, ça les choquerait pas. Donc, c'est à cause de notre civilisation judéo-chrétienne qu'elle dit qu'il faut préserver les enfants. C'est à cause des parents. Voilà. C'est à cause des parents que les enfants deviennent comme ça. Voilà. On est d'accord. Donc, c'est à cause du christianisme encore. Je pense que. C'est à cause de notre culture. Bah, notre culture, elle est comme ça, mais ça va avancer. Mais faut la modifier. Voilà, on est d'accord. Il y a 30 ans, les homosexuels devaient se cacher. Toi, tu peux montrer tes fesses. Peut-être que dans 30 ans, les enfants seront plus choqués de voir des fesses comme voilà. ça. Voilà. Faut changer la culture. Peut-être qu'on montrera ses fesses avec ses enfants. Redis-moi ton prénom. JP. Merci, JP. Je vous en prie. T'as pas trop mal aux pieds? Hein? T'as pas trop mal aux pieds? What's that? Hi. Oh, yeah.